Comme annoncé depuis quelques jours, la pelouse synthétique du stade Kachalabonzola est arrivée en Boujimaï ce samedi 29 novembre 2014. Après la réception au pont Loubilangi, le gouverneur de province et la population de Boujimaï ont fait le tour d'honneur jusqu'au chantier du stade moderne Kachalabonzola où ces tapis verts sont désormais exposés à l'attente de la pose. Au total, Alphonse Moïkassangi avait commandé deux pelouses synthétiques, dont l'une pour le stade Kachalabonzola et l'autre qui sera posée dans un autre stade de Mboujimaï à déterminer. Les fanatiques de l'AS Bantou, Sa Majesté Sangabalende, FC Océan Pacifique et une foule immense ont envahi les abords et l'intérieur du stade Kachalabonzola pour voir cette moquette qui va bientôt faire le bonheur du football congolais. La joie est grande parce que quand vous promettez une chose et que ça s'accomplit, vous voyez, cela doit faire notre joie. Aujourd'hui, on a la pelouse synthétique. On n'en a pas pour un seul terrain. On a deux pelouses pour deux terrains. Donc, ça veut dire qu'on aura un terrain d'entraînement, on aura un terrain de compétition. Donc voilà, le peuple escassanien qui voyait la pelouse synthétique à travers les images, qui voyait ça seulement à Lubumbashi, à Kinshasa, aujourd'hui, elle a touché de ses doigts cette pelouse synthétique ici en Boujimaï. Je commencerai par remercier le président de la République, chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, et tous ceux qui m'accompagnent dans cette démarche pour la modernisation de notre province. Le gouverneur des provinces assure que les chaises, les treillis, la toiture et toutes les autres commandes effectuées sont déjà arrivées à Kasumbalesa, au Katanga. Le stade sera achevé dans le délai prévu.